On va vous parler un peu du tambour, un peu rapidement. Le tambour est un instrument sacré et c'est en fait un instrument très important pour la communauté autochtone, comme la danse. Ça a servi et beaucoup en fait à pouvoir et faire face à des difficultés et aider justement nos communautés autochtones à s'en sortir de ces difficultés. Et on l'appelle l'outil du cœur. Et à l'intérieur, c'est un peu symbolique, mais pour montrer en fait à quel point il est sacré aussi, il y a une plume d'aigle à l'intérieur. Et c'est un instrument très résistant, très spirituel. Et on l'utilise aussi pour la guérison. Nous, on est le groupe Buffalo Heart Singers. On est un groupe de powwow. Et powwow, c'est un rassemblement autochtone, des cultures et traditions autochtones, où on joue et on chante différents chants des différentes nations aussi, et principalement de la nation Anishinaabe, mais aussi d'autres chants normalement qui font partie de ces beaux rassemblements qui s'appellent le powwow. D'ailleurs, si vous voulez assister à un powwow, vous pouvez chercher sur Internet la route du powwow. La route du powwow. Des powwows, pardon. La route des powwows. Et vous allez avoir une liste des powwows. Normalement, c'est jusqu'à l'automne à peu près qu'on fait ces rassemblements un peu partout au Québec, par exemple. Il commence à pleuvoir. Ah, non. Thank you.
là. On va interpréter un chant et composé justement par Norman Snipinescu, notre directeur, et pour les femmes assassinées, disparues, et Mother and c'est ça, femme autochtone assassinée et disparue. Et. Wonder Woman. Les noms de chants s'appellent Tusun Dugo. Il y a les marionnettes qui nous accompagnent. Hey, 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 hey
texte, hein. We're gonna do our last song. And then we're gonna be actually at 8 o'clock in the big stage to open the concert. Je vais présenter un peu le groupe Buffalo Hat Singers et Norman Clement. Norman Ispinescu, notre leader of the group. Et Sarah Kawi, qui nous accompagne aujourd'hui. Pedro Diaz, merci. Alors, encore un autre applaudissement pour Buffalo Hat Singers et les marionnettes. À 8h, il y a les grands spectacles sur la scène là-bas et demain, il y a l'animation toute la journée ici aussi. Merci beaucoup.